Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel entretien réalisé avec des acteurs, hein, travailleurs, vous allez le constater, qui aujourd'hui sont interrogés, enfin bon, répondre à des questions concernant le thème suivant, l'UE-OTAN, machine de guerre contre les travailleurs et le produire en France. Nous rappelons que nous avons lancé une série de vidéos au sein du pôle de Renaissance communiste en France pour appeler bien entendu au boycott de cette mascarade qu'est le scrutin européiste présenté comme des élections européennes. Et que pour cela, nous animons toute une série de vidéos. Vous aviez déjà pu voir celle avec Bruno Guigues et Annie Lacroix-Rise. Vous avez pu aussi voir une deuxième vidéo concernant la question de l'indépendance nationale, de la souveraineté de la France, etc. Et donc aujourd'hui, nous sommes avec des travailleurs, de jeunes travailleurs d'ailleurs, que nous remercions pour s'être rendus disponibles. On commence déjà avec donc Gilliatt de Star. Bonsoir Gilliatt. Bonsoir, merci Fadi. Salut Gilliatt. Et donc Gilliatt qui est chauffeur de bus à la société Transdev et délégué syndical. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Ensuite, nous avons avec nous Baptiste. Salut Baptiste. Salut Fadi. Bonsoir tout le monde. Ouvrier syndicaliste et qui lui aussi peut constater, vous allez voir, les dégâts de l'UE-OTAN concernant le produire en France. Assez ouvrier, évidemment, mais pas que. Vous allez voir qu'il y a tout l'aspect artisanal, agricole également, et nous allons le voir avec notre troisième invité, Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Fadi, bonsoir à tous. Sylvain qui est travailleur donc plutôt dans le secteur du commerce, à l'heure actuelle le privé d'emploi, mais qui bon, a une expérience aussi bien dans son secteur qu'en dehors de son secteur, des dégâts causés par l'UE-OTAN, et notamment, on le verra, sur les questions agricoles auxquelles s'intéresse beaucoup Sylvain. Bien. Merci de vous être rendu disponible pour ce nouvel entretien. Et on va y aller tout de suite parce que bon, bah, de l'argent, hein, c'est le cœur du problème, hein, puisqu'on parle de l'austérité et de la destruction du produit en France. Et pourtant, en 2013, Emmanuel Macron a annoncé un plan de 413 milliards d'euros pour préparer la France à des conflits de haute intensité. Et parallèlement, les retraites ont été davantage détruites avec le report de l'âge de départ à la retraite, faut-il le rappeler, à 64 ans avec 43 annuités. Alors au-delà de ce sujet, parce que là on touche à l'austérité, en quoi pouvez-vous nous dire, chacun votre tour, l'UE et l'OTAN portent une responsabilité dans l'austérité imposée aux travailleurs? Gilliatt, donc, pour commencer. Oui, merci Fadi. Bon, je crois qu'on m'entend bien. Bah, écoute, comment dirais-je, la responsabilité de l'UE, premièrement, est absolument écrasante dans l'austérité qu'on impose aux travailleurs français, aux travailleurs immigrés également, mais en général à tous les ouvriers, tous les travailleurs des pays vassalisés à l'Union européenne. Écrasante, écrasante de par sa logique, tout simplement. C'est l'Union européenne n'est malheureusement pas le doux rêve éveillé que certains essaient de faire croire encore aujourd'hui et depuis des années et des années, et encore surtout en ce moment avec les élections européennes qui arrivent. On va, je pense, avoir l'occasion d'y revenir tout au long de cette table ronde d'entretien. Une responsabilité écrasante, puisque cette logique est une logique qui est par nature, enfin la logique de l'Union européenne est par nature capitaliste et supranationale. Elle s'est construite progressivement depuis le traité de Rome, elle s'est réaffirmée et développée de plus en plus avec Maastricht, avec le traité de Lisbonne qui venait s'asseoir sur le nom, entre autres des Français, pas que d'ailleurs, mais le nom des Français en 2005, bref. Voilà, au contraire comme je le disais, du doux rêve éveillé de certains qui imaginent une Union européenne qui ne serait qu'une, comment on pourrait appeler ça, une coopération logique, naturelle, entre pays qui sont tous plus ou moins proches ou frontaliers sur un espace géographique, disons, logique, voire légitime, que serait le sous-continent européen. Et que tout cela serait naturel. Et en réalité, n'importe qui en Europe de sensé, voire tout simplement dans le monde, n'importe quel citoyen de quelque nation que ce soit, voire travailleur encore plus,
aspire justement à ce qu'il y ait de la coopération avec ne serait-ce que les pays voisins. En l'occurrence, l'Union européenne, depuis le départ, même quand elle ne s'appelait pas comme ça, mais qu'on l'appelait déjà comme ça, disons dans les couloirs ou pour faire vite, ou tout simplement ses opposants, à commencer par le Parti communiste d'alors, celui de Thorez, entre autres, eh bien c'était un marché, c'était une construction capitaliste qui émanait des grandes fortunes de l'époque, notamment toutes issues du marché et des industries du charbon, et qui ont tout bonnement construit un marché, tenté de construire un marché unique en Europe, avec toute la logique capitaliste qu'il y avait derrière, même si on a tenté de faire croire avec certains traités depuis lors que la concurrence était libre et non faussée, etc., etc. Bon, on voit bien où tout ça mène. La concurrence n'a jamais été aussi rude entre les pays et entre les travailleurs d'Europe, notamment entre les travailleurs d'Europe de l'Ouest et de l'Est, entre les travailleurs d'Europe dits du Nord et dits du Sud, au détriment de tous ces travailleurs, hein, soit dit en passant. Hein, ce n'est pas eux qui se mettent en concurrence les uns les autres, bien entendu. Bon, donc toute cette logique-là porte, sans surprise, pour faire le plus court possible, les salaires à la baisse. Évidemment, tout ce qu'on voit aujourd'hui de marche à la guerre, dès qu'on parle d'économie de guerre, on sait ce que ça veut dire, hein, l'économie de guerre, ce n'est pas l'économie pour les salaires. Donc l'austérité, l'euro-austérité même, elle vient de là, sur l'ensemble du continent. En France, pour ce qui nous concerne, ce sont des salaires qui baissent, disons, proportionnellement au fait que les prix en tout genre augmentent. Ça, c'est la logique de l'euro-mondialisation capitaliste en général. Et évidemment que les grandes fortunes, la grande bourgeoisie et un certain nombre d'acteurs industriels, des services, grands patrons en général, cherchent évidemment à survivre dans cette jungle qu'ils ont eux-mêmes fait pousser. Et évidemment, ça finit toujours par s'abattre sur les conditions de travail de ceux qui bossent, donc dans leur rythme de vie, dans leur organisation de travail, leur organisation de vie, et puis sur finalement aussi leur salaire en général, ou tout ce qui a trait à ce qu'ils peuvent gagner, voilà, en prime, mais surtout en salaire, et derrière même en salaire socialisé, tout ce qui va avoir attrait à la sécurité sociale, qui évidemment est attaqué d'une part, et j'en ai terminé là peut-être, pour laisser la parole à mes camarades, est attaqué d'une part par, comment dirais-je, par des coupes et par une maîtrise de plus en plus grande de l'État qui met la sécurité sociale en charpie et vole la sécurité sociale à ceux qui y contribuent, c'est-à-dire aux travailleurs, et d'autre part est attaqué indirectement par le fait que les salaires n'augmentent plus, baissent, proportionnellement parlant, et donc les contributions sont moindres, les dépenses sont plus larges, etc., etc. Et tout ça permet de donner également des prétextes au gouvernement d'appliquer des politiques de l'Union européenne directement dictées, comme celle de la retraite, puisque la retraite, c'est aussi la sécurité sociale. Tout cela, on l'oublie un peu vite, mais c'est l'Union européenne, là, un bon exemple de ce que l'Union européenne a dans la tête, si je puis dire, ou de ce que Ursula von der Leyen et ses prédécesseurs ont dans la tête depuis longtemps, comme Emmanuel Macron et d'autres, en ce qui concerne les politiques publiques, économiques et financières et sociales. Bien, eh bien, merci Gilliatt, tu ouvres une grosse perspective, là, si j'ose dire, qui va peut-être être confirmée d'ailleurs par Baptiste, hein, à son échelle. Ouais, merci Fadi, merci Gilliatt, là, c'est vrai que on a eu une belle entrée en matière que je vais pouvoir prolonger, parce que c'est vrai que Gilliatt l'a dit, et c'est vraiment important de le rappeler, que l'UE, c'est véritablement une création, c'est une création du capitalisme, mais c'est même une courroie de transmission du capitalisme supranational. C'est vraiment l'avatar du capitalisme, le carcan capitaliste sur tout le continent. Et c'est toujours important de le rappeler parce qu'il n'y a rien qui tombe du ciel. Tout ce qui est décrit ensuite comme conséquence
de tout ça, bah, c'est effectivement une conséquence de cette nature, en fait, de l'Union européenne. Et on le voit en France, les plus gros soutiens de la construction européenne historiquement, c'est le MEDEF, c'est le CAC 40 et c'est toutes les forces politiques qui sont pro-capitalistes finalement, si on schématise assez simplement. Alors, comment l'UE-OTAN favorise l'austérité? Moi, j'aimerais bien mettre la focale un peu sur une chose que Gilliatt a évoquée, mais j'irai peut-être un petit peu plus dans le détail, c'est la question de l'endettement public. Parce que pour le coup, c'est vraiment un cas pratique pour comprendre un petit peu comment l'UE, et d'ailleurs l'UE-OTAN, j'y viendrai, j'aurai un point là-dessus, favorise l'endettement et organise du coup l'austérité. Parce que souvent, les dernières coupes d'austérité, les dernières annonces qu'on a eues pour les coupes d'austérité, 70 à 80 milliards de coupes budgétaires d'ici 2027 qu'on a eu comme annonce. C'est quand même une véritable saignée, il faut quand même bien avoir ça en tête. Et tout ça, c'est suite à des annonces d'endettement et de déficit public. Donc les chiffres, c'est on nous a annoncé donc 110,6% du PIB en endettement et un déficit public donc pour l'année de 5,5% du PIB. Juste pour poser le décor. Et en quoi, du coup, moi je l'affirme, mais je vais essayer de le démontrer, en quoi l'UE organise tout ça? Parce que pour le coup, c'est vraiment l'explosion de la dette vient en grande, grande, grande partie, peut-être même intégralement, de notre appartenance à l'Union européenne. Déjà, on peut dire qu'il y a une organisation de l'endettement des États hein, par la suppression des revenus des États. On confisque aux États par la privatisation, qui sont, comme l'a dit Gilliatt, souvent des directives qui viennent de l'Union européenne. On organise la privatisation de tous les secteurs rentables de l'État. En France, on a des exemples. Ça a été fait sous Sarkozy, il me semble. Privatisation des péages. La Française des Jeux sous Macron. On a aussi la découpe d'EDF. Alors ça, faudrait vraiment. C'est un vrai cas par pratique presque EDF. Ça nécessiterait presque une vidéo entière. Mais bon, juste les secteurs les plus rentables d'EDF ont été séparés d'EDF au départ. En fait, c'est comme ça. On l'a découpé EDF et on les a privatisés. En fait, tant et si bien qu'il y a ça arrive en deuxième vague l'endettement de l'État, c'est qu'on a une baisse des cotisations sociales, une baisse des impôts aussi, parce qu'on a une baisse des salaires. C'est-à-dire, qui gagne moins paye moins aussi en impôts. Et pour le coup, bah, on a une baisse de pouvoir d'achat des travailleurs parce que bah, on paye notre facture d'électricité, ensuite on paye des impôts pour entretenir le réseau d'EDF ou les autoroutes, alors qu'on paye le péage. Donc voilà. Et en général, c'est une attaque perpétuelle en fait, contre les droits des travailleurs. Et tout ça, c'est du pouvoir d'achat en moins, c'est de la dépense en moins, donc de la TVA en moins, si on y réfléchit. C'est des baisses de revenus pour l'État, quoi. Donc on voilà. D'une part, on enlève toutes les recettes de l'État. Et ensuite, on l'oblige à dépenser. Parce que je l'ai dit, l'État continue de garder à sa charge pendant qu'on lui retire ses sources de revenus. On lui laisse à sa charge l'entretien des autoroutes, l'entretien du réseau électrique, etc. L'entretien des infrastructures. C'est-à-dire qu'on privatise les gains, mais on socialise les pertes. Hein, surtout ça. C'est-à-dire que c'est à géométrie variable, hein. C'est-à-dire qu'ils veulent bien du socialisme hein, quand c'est pour socialiser les dépenses, surtout pour nous, pas pour eux. Parce que c'est pareil, l'Union européenne favorise des baisses de recettes fiscales colossales chaque année avec l'évasion fiscale. J'ai plus les chiffres, mais enfin, c'est très dur d'avoir des chiffres précis sur tout ça, parce que pour le coup, c'est de l'évasion fiscale. C'est même pas de l'optimisation fiscale, c'est de la fraude fiscale. Donc on ne peut pas trop l'évaluer, c'est des fourchettes, mais je crois que j'entends souvent le chiffre de 100 milliards par an à peu près de pertes de revenus fiscaux à cause de l'évasion fiscale. Voilà. Et ensuite, bah, pourquoi l'OTAN? Je vais faire le lien avec l'OTAN. Bah, les aides qu'on a fait à l'Ukraine, qui ont été par milliards, qui ont coûté de l'argent, hein, qui font partie de l'endettement et du déficit public. Et surtout, bah, quand on annonce un budget militaire, c'est des dépenses aussi publiques. Bon, bah, qu'est-ce que ça rapporte? Bon, ça rapporte que ça fait payer des salaires peut-être à la limite, mais bon, c'est quand même c'est du financement de l'État. C'est-à-dire c'est nous qui finançons la guerre. C'est-à-dire nos salaires n'augmentent pas, mais en même temps, avec nos impôts, les prélèvements qui sont faits sur ce qu'on gagne, on finance l'armement, tout simplement.
Et puis, je pense avoir fait le tour sur ce que je pourrais avoir à dire sur tout ça. Tout ça, c'est un peu, ça fait système. C'est-à-dire que toutes les règles que Gilliatt a décrites, font que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On s'endette toujours plus. Et c'est important de le rappeler d'ailleurs. Il y aura pareil, c'est quelque chose qui nécessiterait une vidéo entière. Bruno Le Maire, alors il y a quelques temps, je crois que c'était pendant le Covid, a souscrit à beaucoup de crédits à taux variable. Tant et si bien qu'en fait, la charge de la dette est en train d'exploser en ce moment. Et c'est pour ça qu'en fait, quand je disais qu'il parle de 70 à 80 milliards de coupes budgétaires d'ici 2027, mais d'ici 2027, il faut le savoir qu'en parallèle, et c'est peut-être lié, je pense, je suis même sûr, avec ces taux variables, la charge de la dette va devenir la première source de dépenses, le premier budget de l'État. Peut-être que l'armée va venir le concurrencer, parce que bon, jusque-là, il va y avoir des augmentations de dépenses militaires, mais il faut avoir cette idée-là, c'est qu'à la fin, l'État n'est là que pour encaisser et payer du coup les marchés financiers, puisqu'on s'endette avec l'Union européenne. Les États n'ont plus le droit de se financer directement avec leur banque, comme la Banque de France en France. C'est directement, enfin, c'est un système où ils payent des intérêts aux marchés financiers, donc au grand capital. En fait, à la fin, l'État, il sert à quoi? À prélever, réprimer et financer les marchés financiers avec nos impôts. Finalement, c'est ça. Donc voilà. Et bon, bah, on perd toujours moins de droits parce que sous prétexte en plus de cet endettement, bah, il faut en finir avec l'assurance chômage, avec la sécurité sociale, Gilles a dit, enfin voilà, etc., etc. Et voilà. Ouais, merci Baptiste, ça fait un très bon complément qui, je suis sûr aussi, là permettra à Sylvain d'apporter quelques éléments supplémentaires, hein, là aussi, toi dans ton domaine. Et puis tu es directement, encore plus directement concerné, j'ai envie de dire, étant donné que tu es dans une situation assez délicate en ce moment, tu dois le voir, les effets aussi de l'UE-OTAN en termes d'austérité. Oui, effectivement. Alors tout d'abord, pour compléter ce que disaient les camarades auparavant, la construction européenne, donc qui date depuis la fin de la guerre ou durant la guerre, hein, avec tout l'idéalisme qu'on nous a apporté, car je suis de la génération où dans les années 80, on nous faisait réciter l'ode à la joie à l'école et avec les grands-pères fondateurs. Schumann et Monet comportaient comme héros, et quand on gratte un petit peu plus près, on voit bien les intérêts lesquels ils servent. Et d'ailleurs, on voit aussi depuis qu'on nous a imposé le référendum en 2005 que toutes les politiques, qu'on vienne de gauche ou de droite en France, sont les mêmes politiques, hein, ultra sur l'austérité et très autoritaire en fait dans un pays comme la France avec les services publics qu'on avait et surtout toutes les trahisons qu'on a des politiques qui passent les uns après les autres, hein. Baptiste parlait justement de la libéralisation des énergies. Comment ne pas oublier le coup de poignard dans le dos du RPR à l'époque et du Parti socialiste au traité de Barcelone de 2002 justement, visant à augmenter la durée de travail, l'âge de départ en retraite, et aussi la libéralisation de l'énergie. On voit bien maintenant justement que le prix du kilowattheure pour les foyers français atteint des montants fous, et malheureusement, quand on voit justement la rhétorique de nos gouvernements à toujours devoir se serrer la ceinture, où nous devons nous serrer la ceinture, et bien sûr pas les multinationales et tout ce qui s'ensuit, nous donne vraiment une vision à long terme vraiment très pas radieux, quoi. Vraiment, vraiment sombre. D'ailleurs, on peut voir aussi ce qui s'est passé en 2012, à partir des années 2010-2012 en Grèce, où justement les pensions de retraite depuis ont baissé. Et ça me permet de rajouter justement un point sur l'Union européenne, parce que dans l'Union, on a l'unité, être ensemble, la coopération. Et on voit bien en même temps que c'est complètement faux, qu'il y a une concurrence de commerce extérieur entre les pays. On voit bien que l'Allemagne porte une hégémonie aussi au sein de l'Union européenne qui défavorise et qui pénalise énormément ce qui avait pu être les pays du Sud, bon, comme la Grèce, hein,
dont le peuple a vraiment souffert, mais aussi le Portugal et l'Italie. Et même maintenant, on voit bien en France la montée de la pauvreté, la difficulté sous couvert d'austérité toujours plus forte, plus dure et qui casse tous les acquis qu'on a pu avoir justement au sortir de la Seconde Guerre mondiale et du CNR. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, 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 très important. Bien sûr, c'est toujours dans l'intérêt des travailleurs. Et puis, c'est surtout l'application des grandes orientations politiques économiques, les fameuses GOP, toujours une baisse d'investissement public, toujours une réduction de la dette, alors que, comme Baptiste le disait très bien tout à l'heure, la dette, on l'augmente. On l'augmente. Par des politiques comme d'armement, des politiques d'endettement comme il y a pu avoir avec le Covid, qui seront bien difficiles comme charge à supporter au long terme justement pour la France, mais surtout pour les couches populaires, étant donné que toutes les On va dire les décisions prises souvent par la Commission, d'ailleurs Commission européenne, un non élu, hein, parce que là en ce moment nous sommes sur une élection sur du scrutin des élections européennes du Parlement, mais on sait très bien que les grandes décisions viennent de la Commission et de Madame von der Leyen, de Monsieur Charles Michel, qui sont des gens qui sont nommés. Donc souvent on nous parle de démocratie et toutes ces choses-là. Et force à reconnaître qu'en fait, ce n'est pas une démocratie, c'est autoritaire, c'est à marche forcée et c'est bien sûr au détriment des peuples. Donc l'avenir à moyen terme est vraiment sombre, surtout pour pour les travailleurs et puis pour les couches populaires, quoi. Merci Sylvain. Et puisque tu parlais effectivement de l'expérience des années 80 et puis des problèmes d'aujourd'hui, un chiffre quand même pour illustrer l'état de précarité monstrueux qui se développe en France. Et il y a encore pire hein, dans d'autres pays de l'Union européenne, hein, disons-le. Mais 35% des Français ne font plus trois repas par jour dorénavant. On est à deux. Quand on arrive dans une telle situation, on voit bien à quel point l'austérité en effet a des conséquences dramatiques. Depuis des décennies à présent, et vous l'avez très bien dit, notamment en lien avec cet endettement hein, clairement programmé hein, et qui fait une pression considérable donc sur les travailleurs. Et justement, ça va permettre, comme cela, de continuer l'échange parce que Sylvain, tu as ouvert la voie et à la limite, tu pourras peut-être continuer, puisque depuis plus de 40 ans, la France connaît une destruction massive de sa production. De son produire en quelque sorte, non seulement industriel, mais aussi artisanal et agricole. Et vous qui justement travaillez dans des secteurs un petit peu différents, comment le vivez-vous au quotidien, déjà vous personnellement peut-être, ou auprès de vos camarades travailleurs, etc. Et en quoi, là encore, l'UE OTAN porte-t-elle une responsabilité très particulière dans la destruction de toutes les structures productives du pays? On pourrait bien sûr parler des autres pays, hein, mais bon. Les Français, donc on parle de la France. Donc voilà, Sylvain, peut-être à ce sujet. Et merci Fadi. Et oui, pour moi, j'ai des souvenirs de la campagne de Maastricht. Je me rappelle, j'étais jeune, des débats assez passionnés dans l'entourage de mes parents et de mes parents. Et Maastricht, tout de suite derrière, ça a été le mot moi, qui me revient directement, c'est délocalisation. Et on l'a bien vu avec des rapports type les rapports de Jean Arthus, qui tout de suite déjà ouvraient la voie à de la main-d'œuvre moins chère, à l'optimisation des marges hein, pour les grandes entreprises dans les coûts de fabrication, et qui a engendré à terme, suite au traité de Lisbonne, la libre concurrence libre et non faussée. Et on voit bien que là, ça pose un gros problème pour les travailleurs. Pourquoi? Parce que déjà, tout d'abord, on voit bien que maintenant, il y a une mise en concurrence des travailleurs. Et moi, vivant dans un bassin industriel
Oui, il y a le fleuron de la navale en France et de l'aéronautique à Saint-Nazaire. Depuis 20 ans, on voit bien au chantier naval, et puis depuis la mise en place du traité de Lisbonne, une mise en concurrence des travailleurs par d'autres travailleurs qui sont tout autant exploités venant d'Europe de l'Est, voire même de contrées plus lointaines, car il y a 20 ans, on a eu ce qui s'appelait le plan exotique au chantier naval de l'Atlantique, où on a fait venir énormément de travailleurs d'Inde, sous-payés, surexploités en termes d'heures, et donc qui va vraiment dans l'intérêt des travailleurs, dans l'intérêt des capitaux, malheureusement. Et ce qui est intéressant en plus à devoir, ce qui est intéressant, ce qui est même dramatique, hein, c'est que ça continue de plus en plus. En fait, ça ne s'arrête jamais. Et donc, les entreprises, et on voyait bien même les sous-traitants de l'aérospatiale devenue Airbus, les sous-traitants de plus en plus, en fait, ferment aussi les sous-traitants français qui nourrissaient aussi, qui étaient des compléments du bassin d'emploi autour, et pour des délocalisations de sous-traitance. Dans un premier temps en Europe du Sud, mais après ça a été en Afrique du Nord, comme en Tunisie, et dans la métallurgie ou d'autres secteurs d'activité, voire même maintenant beaucoup plus loin, ce qui fait du chômage. Donc les travailleurs se retrouvent mis en concurrence, et de plus en plus, l'expérience, l'ancienneté, tout ce qui pouvait donner justement une plus-value pour que les travailleurs soient bien payés et puis normalement payés, n'existe plus, et de moins en moins. Et les travailleurs, pour accepter un emploi désormais, sont obligés de raboter leur salaire avec toute l'expérience qu'ils ont l'art qu'ils ont dans les mains, parce que c'est des métiers quand même qui sont manuels, et où l'expérience justement donne justement une plus-value aussi de productivité, et ça, il n'en parle, ça se malheureusement, c'est en train de tomber à l'eau, quoi. Donc ouais, là-dessus, sur ce sujet-là, c'est là-dessus que voilà. Excusez-moi. Bien, merci Sylvain. Et puis comme ça, je peux continuer d'enchaîner parce qu'effectivement, comme tu es légèrement plus ancien, tu parlais de Maastricht, hein, où à l'époque, on nous prévoyait la création d'un million d'emplois, une croissance extraordinaire, une croissance des profits, oui, ça, on s'en doute, mais pas pour le développement du pays. Et peut-être que toi, Gilliatt, aussi, dans ton domaine, tu le constates peut-être, d'autant que moins qu'on puisse dire, c'est que les transports sont un secteur stratégique dans le cadre de l'Union européenne. Ouais, carrément, parce que c'est un peu ce qu'on nous a, je dirais, pour compléter un peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure, tout ce qui continue de se dire, l'Union européenne qui s'est construite comme un marché, j'ai rajouté capitaliste, un marché capitaliste unique, pour reprendre ces termes, bon, il a partagé, ça a permis, entre guillemets, de partager au sein des pays ou des régions géographiques au sein de l'Union européenne, justement, les capitalistes se sont permis de se partager justement un petit peu. Alors, à coup de rapport de force, hein, évidemment, qu'on ne se fasse pas de naïveté non plus sur la bonne entente entre les capitalistes eux-mêmes, quoi, hein, elle est souvent très courte ou temporaire, quoi, en tout cas. Bon, et il se trouve que. Ça a été évoqué tout à l'heure au sujet de l'Allemagne qui a, j'allais dire, remporté le lot industriel au sein de l'Union européenne par sa puissance, les rapports de force qu'elle a pu, que l'Allemagne capitaliste, qui est issue de l'annexion de la RDA par la RFA, cette Allemagne capitaliste-là, elle a pris le monopole, quoi, dans l'Union européenne, et elle s'est servie, je dirais, enfin, petit à petit, ou elle a conquise en tout cas cette Allemagne capitaliste, le produit industriel, entre autres, le produit industriel d'une bonne partie de l'Europe, que ce soit en France, que ce soit celle de l'Italie du Nord, etc., etc. Et donc, en l'occurrence, il se trouve que la France, on lui a laissé, selon moi, globalement, deux secteurs, alors peut-être trois, justement, d'une certaine manière, bon. Pense à un autre secteur qui est
on a quand même encore une grande importance, c'est le secteur agricole, peut-être agro-industriel, ce qui reste quand même de l'industrie en France, néanmoins, mais c'est l'industrie moins stratégique. C'est ça qui est important de comprendre. Et on a laissé à la France le tourisme, l'activité touristique, qui est très forte en France, et le transport en général. Transport de voyageurs, évidemment, alors ne serait-ce qu'avec, sur le plan touristique, ça paraît assez évident, mais surtout le transport de marchandises. La France a cette particularité géographique qui n'échappe à personne, qu'elle est bordée par, enfin, qu'elle est, comment dire, à l'extrémité ouest de l'ensemble de l'Eurasie, donc du sous-continent européen, qu'elle est bordée par l'océan Atlantique, la mer du Nord, la Manche, la Méditerranée. Bref, on a depuis longtemps, Sylvain a parlé, je crois, de Saint-Nazaire, on peut parler de Nantes, etc. Bon, on a quand même des ports dans l'ensemble de la France qui ont des centaines d'années, qui ont, pour le bien comme pour le pire d'ailleurs, hein, pour certains, voilà, leur passé historique et qui ont développé une économie assez forte. Et donc, le transport de marchandises, beaucoup de marchandises, transitent par, évidemment, la France, de ce côté-là en tout cas, par l'Atlantique ou autre, pour arriver dans l'Union européenne et pour servir le reste de l'Union européenne. On peut remarquer quand même aussi que ça va en parallèle d'une casse du fret SNCF, hein, voilà, du fret ferré. Bon, il faut comprendre par là que même si ça paraît logique pour tout le monde que le fret, évidemment, c'est bah, le train, c'est plus écologique, ça évite une tonne de camions sur les routes, ça évite la dégradation des routes par les mêmes camions, quoi, à force d'usure. C'est généralement économique aussi pour le pays à terme, sur plein de plans pour le pays qui met en place ça. Mais c'était entre les mains du pays, justement. D'où l'intérêt de casser fret SNCF. Ben justement, tant pis s'il faut lancer tout le monde sur les routes, tous les camions sur les routes, comme on le voit aujourd'hui. C'était nécessaire pour que, je pense qu'il y a des rapports de force là-dedans, justement, en l'occurrence entre l'Allemagne et la France. C'est ce qu'il y a d'intéressant. Moi, je vous invite à regarder, comment ça s'appelle, Google Maps ou ce genre de logiciel, application, etc. Bon, de cartes. Vous regardez, comment dirais-je, l'ensemble du sous-continent européen. Vous voyez un petit peu les secteurs routiers. Vous verrez les nœuds. Le nœud qu'il y a en Europe, d'une part, ce nœud-là, il ne se trouve pas nulle part, il se trouve autour du Rhin. Voilà, parce que c'est là que se concentre aujourd'hui l'ensemble des grosses, grosses industries stratégiques. Et bon, la partie du Rhin, en tout cas, pardon de le préciser, la partie du Rhin qui est en Allemagne. Voilà. Bon, en l'occurrence, la Rhénanie, quoi, grosso modo. Il y a un deuxième point qui est très intéressant, c'est de constater comment les autoroutes ont fleuri depuis. Alors, il y en a les mêmes codes en France, et comment elles ont fleuri aussi depuis l'intégration. Alors, je ne sais plus combien, parce que ça, c'est. Pour le coup, moi, j'étais beaucoup plus jeune, et c'est des choses qui m'échappaient à ce moment-là. L'intégration de je ne sais plus combien de pays, en tout cas des pays de l'Est, notamment de la Pologne, à l'Union européenne. Et depuis, on voit fleurir des autoroutes. Vous regardez ces mêmes cartes, comme Google Maps ou autre, vous verrez que ces routes, elles ont des noms comme E26, E ceci, cela. C'est des autoroutes qui ont été financées par l'Union européenne. Et on comprend, j'allais dire, tous les chemins mènent à Rome. Bon, là, tous les chemins mènent à Berlin ou à la Rhénanie, si vous voulez, quoi. Donc, l'ensemble est fait pour que les marchandises transitent dans un certain nombre de pays d'Europe. Comment dire, comment ça s'appelle? Schengen permet, et l'ensemble du fonctionnement de l'Union européenne permet à ces camions de transiter dans tous les pays avec le moins de taxes de douane possible et d'arrêts possibles pour accélérer la marche au profit, quoi. Et en l'occurrence, surtout au profit d'un certain nombre de grands industriels euro-atlantistes. Bon, un petit mot peut-être, si j'ai encore le temps, moi comme d'autres, évidemment que bah, bon, dans la vie quotidienne, ça va. Ça va surprendre personne, hein, dans la vie quotidienne. Ça, que ce soit tout ce qu'on a décrit depuis tout à l'heure, et puis l'économie de guerre qui se met petit à petit en place au nom de l'aide à cette belle Ukraine démocratique et très pacifique et innocente, qui n'est pas du tout depuis des années, une plateforme, une plaque tournante du fascisme et du néonazisme européen.
Bon, tout ça, bon, ça pèse sur, évidemment, le prix du gasoil, le prix de l'essence, le prix du fioul, le prix des pièces de ceci ou de cela, justement des chaudières, qui malheureusement tombent de plus en plus en panne et qu'il va falloir remplacer par une pompe à chaleur ou par autre chose, un de ces quatre. Bon, voilà, le prix de l'alimentation, évidemment, on voit bien que malgré tous les efforts, ça pèse de plus en plus. Bon. Il y a toutes ces choses-là. Il y a tout un tas de choses qu'on voit nous aussi là où je travaille, quoi, et dans le transport de voyageurs, et qui sont souvent très liées. La casse, je crois que Baptiste a parlé de la casse EDF-GDF. Bah, la casse d'EDF, depuis quelques années, ou ça va, très récemment, hein, vous savez, c'est il faut faire des économies, ça coûte de plus en plus cher, il faut économiser l'énergie, etc., etc. Soit, pourquoi pas, admettons. Bon, donc les mairies, ça ne vous a pas échappé. Souvent, les communes, maintenant, eh ben, coupent la lumière, c'est-à-dire quand il y en a besoin, c'est-à-dire la nuit, ou une bonne partie de la nuit. Bah, voyez-vous, quand on roule très tôt le matin ou très tard le soir, en car, dans des villes qui sont absolument, dans l'obscurité, ça pose pas mal de problèmes maintenant et ça cause de plus en plus d'accidents, par exemple. Bon, on a parlé, peut-être un dernier point, on a parlé aussi. Enfin, on a parlé de désindustrialisation, évidemment, délocalisation, Sylvain a dit, bah, effectivement, et bah, ça a eu un impact sur le transport et donc sur l'emploi aussi, donc sur la vie de centaines, voire de milliers de travailleurs des transports du voyageur, entre autres. La désindustrialisation, c'est aussi la perte, enfin, ou la déshérence, ou l'abandon d'un certain nombre de lignes de transport, hein, donc derrière des emplois, encore une fois, puisque, bah, on aurait pu, on pouvait avoir ici ou là, enfin dans plein d'endroits justement, des transports qui étaient conçus pour amener les gens au travail à telle ou telle heure. Il y avait des lignes qui étaient prévues pour tout ça. Bon, bah ça existe de moins en moins. Peut-être dans des endroits où il y a encore effectivement des bassins où il y a encore de l'industrie, des coins un peu stratégiques, ça existe encore. Parfois à la demande même, d'ailleurs, du patronat sur place. Mais sinon ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus pour ça. Et évidemment, puisqu'il y a aujourd'hui des autorités publiques derrière toutes ces lignes, et derrière tout ça, des donneurs d'ordre, comme on dit dans le milieu, bah, eux aussi, hein, vous savez, ils ont plus d'argent, et tout ça pèse. Et ça pèse sur tout ça. Et bon, je ne vous fais pas tout le lien sur la tarification derrière des gens, enfin, je préfère utiliser le mot d'usager, mais je vais dire de clients. Eux aussi, ça pèse sur leurs finances. C'est toute une logique qu'on décrit depuis tout à l'heure. Et bon. Voilà, ça pèse, ça pèse, ça pèse. Toute cette logique capitaliste et supranationale qui s'impose, hein, vraiment, aux nations, celle de l'Union européenne et de l'euro, et celle de son bras armé qu'est l'OTAN et qui nous force, par le biais de l'Union européenne, à une marche vers l'économie de guerre. Bon, on voit bien que de la délocalisation, de la désindustrialisation des plus grands fleurons économiques nationaux, jusqu'à la vie quotidienne d'aller faire ses courses, ça nous impacte du début à la fin et ça nous impacte pour le pire, pour le coup. Ah bah merci Gilliatt, oui, ça prolonge bien ce qui a été déjà avancé par Sylvain hein, en nous ramenant effectivement à cette question de transport qui est très importante aujourd'hui dans le cadre de l'Union européenne. Et ça fait la jonction hein, entre commerce, transport, usine en ce qui concerne Baptiste hein, notamment. Donc toi aussi, en hein, quoi tu peux voir que le produit industriel, hein, en l'occurrence en France, c'est pas, a été, continue d'être démantelé depuis des décennies. Et peut-être as-tu toi-même, Baptiste, une expérience personnelle ou par rapport à des camarades travailleurs sur cette évolution funeste? Oui, bien sûr. Ouais. Bon, je vais essayer d'organiser ma pensée parce qu'il y a plein de choses qui me viennent en même temps que j'entends les camarades parler. Mais faut bien garder en tête, et c'est plutôt mieux quand on le répète. C'est l'Union européenne, c'est libre-échange, libre-marché, ces choses-là. Et j'aime beaucoup cette phrase de Marx qui dit, mais tout ça, c'est le renard libre dans le poulailler libre. Et le poulailler, qui est dans le poulailler, c'est les poules, mais les poules, c'est nous, en fait. Nous qui sommes là, on se fait plumer. Et voilà, au quotidien, c'est vraiment ça, quoi. C'est bon, bah, la destruction de tous nos statuts,
déjà, de la destruction des diplômes nationaux, ça a été dit tout à l'heure par Gilliatt. Donc, ça a été dit par Sylvain. Effectivement, par exemple, dans mon métier, à une époque, les anciens, ils faisaient des CAP, des très bons CAP d'ailleurs, hein, qui formaient, qui donnaient un vrai niveau, c'était des très bons professionnels quoi, qui sortaient des écoles. Moi, j'ai remplacé des gars, comment on se rentrait dans le détail de quel métier, mais avec un diplôme, comment dire, un diplôme en un an, on appelle ça une formation pour adultes, financée par l'Union européenne, hein, tenez-vous bien, hein, bien sûr, parce que l'Union européenne a un budget, vous le savez bien, c'est ce qu'on nous donne. C'est ce que nous, on donne à l'Union européenne, en fait, finalement. Mais avec le petit drapeau européen financé par l'Union européenne, non, c'est surtout les CAP qui sont détruits par tout ça, quoi. Donc, c'est bien l'Union européenne. Donc, voilà, qu'est-ce que j'ai en tête? Oui, effectivement, Gilliatt a parlé, tu m'as un peu introduit là-dessus, hein, la question de la désindustrialisation, la question surtout de la destruction de l'industrie métallurgique, qui est assez intéressante à analyser. Gilliatt en a parlé, hein, c'est l'Allemagne qui a récupéré la mise. Par un mouvement, disons, un processus, en tout cas propre au capitalisme, mais aussi par un laisser-faire volontaire comment dire, conscient de la classe dirigeante française, qui a tellement eu la trouille en fait en mai 68 de cette métallurgie rouge, de cette métallurgie rouge parce que les rouges syndiqués et dans le parti, quoi, qui avaient une tête, une direction politique et une action syndicale dans l'entreprise, c'était un parti qui était. Qui faisait corps en fait, qui faisait un, je sais pas quel mot utiliser, mais qui c'était presque les mêmes on avait les deux cartes, j'exagère presque, on dit qu'une des deux cartes suffisait pour être adhérent à l'une des deux autres organisations. C'est pas tout à fait vrai, mais dans l'idée, et ça faisait qu'effectivement, dans des secteurs stratégiques comme la métallurgie, en particulier le secteur automobile, ça donnait des sacrées grèves, des sacrées mobilisations, et mai 68 part du secteur automobile en fait finalement. Boulogne-Billancourt à Paris notamment, qui était un gros. On parle souvent de cette usine-là, mais c'est vrai que c'est un des endroits qui a été des pionniers. On parle de mai 68, mais c'était surtout, si je ne dis pas de bêtises, c'est en avril où tu avais des grosses, grosses grèves qui étaient déjà lancées. Hein. Et donc, effectivement, quand ce processus en fait, de libre-échange, de libre-marché se met en place, surtout de concurrence, en fait, de concurrence. De tous contre tous, finalement, qui n'est qu'une effectivement mise en concurrence, c'est-à-dire qui va offrir les meilleurs rendements au capital. C'est ça, en fait, ce que ça veut dire. Qui va offrir les meilleurs rendements au capital, où est-ce que le capital va aller pour tirer le plus de profit? C'est l'Allemagne qui est vers où c'est allé parce que c'est eux qui gèrent mieux le dialogue social, parce que c'est eux qui. Le dialogue social, hein, on sait bien que c'est pas du tout quelque chose de positif de ma bouche, hein, parce que justement, nous, on avait plutôt une culture de lutte des classes en France. Et donc, le capital, il n'aime pas ça du tout. On a été plumé, pour le coup, là, si je reprends l'expression de départ, au profit de l'Allemagne, qui, elle, a su, par des processus, je ne vais pas développer, mais aussi exporter son capital là où il fallait, en Europe, pour délocaliser ce qui permettait de moins cher, d'optimiser les rendements du capital. Donc c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, c'est une concurrence de tous contre tous pour savoir qui va offrir les meilleurs rendements du capital. Pour tenir dans cette concurrence, certes, on a perdu, on a été désindustrialisé, etc., mais on a assisté aussi dans le même sens, dans le même mouvement, ce qui restait, c'est concentré. Parce que pour tenir face à la concurrence internationale, quand des fois on ne peut pas délocaliser ou quand pour X raisons, peut-être qui m'échappent et qu'il faudrait que je creuse un peu plus, mais il y a des industries qui sont restées, comme par exemple, Gilliatt le disait, l'industrie agroalimentaire. Gilliatt comme moi, on vient de la Bretagne, on y connaît quelque chose. Et effectivement, quand l'Union européenne s'est construite, il y avait cette espèce de rêve, en tout cas pour la rêve. Voilà, ça, si on verra si ça vous fait rêver ou pas, mais cette idée que la Bretagne allait devenir la capitale. Européenne, si ce n'est mondiale, du port. Et ont été poussés à la création de subventionnés, etc., pour que d'énormes porcheries soient créées. Et donc, on s'est retrouvé avec des porcheries de plusieurs milliers de porcs. J'ai plus les chiffres en tête et j'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble qu'en Bretagne, on a 5 porcs pour un habitant à peu près. Et en Côte d'Armor, c'est encore pire. Là, je suis né à Saint-Brieuc, donc.
Donc voilà, c'est vraiment là, c'est encore plus vrai. Bon, avec toutes les conséquences écologiques dans le quotidien, les algues vertes, voilà, dans le quotidien, quelles conséquences dans le quotidien? C'est les algues vertes dans la baie de Saint-Brieuc. Voilà. Et surtout en Côte d'Armor, vu qu'il n'y a pas de grande métropole, la conséquence de la concentration du capital, un des symptômes, c'est la métropolisation, c'est la concentration du capital justement dans les grandes villes, la concentration des services publics dans les grandes villes, la concentration des entreprises, etc. Mais en Côte d'Armor, la plus grande ville, c'est Saint-Brieuc, et ce n'est pas du tout une grande ville, quoi. Si j'ai peur de dire une bêtise, donc je ne vais pas dire le nombre d'habitants, j'ai peur de dire une ânerie, mais ce n'est pas du tout une grande ville, en tout cas. Et il n'y a pas de deuxième grande ville, c'est vraiment c'est des villes moyennes un petit peu partout et au milieu autour des champs, des bourgs. Et dans un département comme ça, et qui n'est pas isolé hein, à l'échelle de la France, parce qu'il y en a bien d'autres, il n'y a plus de train qui passait. Avant, il y avait des gares, il y avait des petites gares, où il y avait le train qui passait. Il y avait des bus, maintenant il y en a de moins en moins. Il y avait du service public, maintenant quand on accouche en Côte d'Armor ou dans le centre-Bretagne, encore pire, il faut faire un sacré trajet hein, pour aller à la maternité. Enfin, le quotidien, c'est ça en fait. C'est une vie de plus en plus dure hors des métropoles et une exploitation en fait de plus en plus accrue dans les entreprises, une concentration du capital qui fait que bah, on est de plus en plus faible. Alors pour autant, ça pourrait ouvrir des opportunités. Mais on est de plus en plus faible dans un contexte où les syndicats, baignés à la subvention européenne, ne font plus leur boulot de lutte des classes, malheureusement. C'est au cas par cas dans les entreprises. Il y en a qui font du super boulot localement. Mais en tout cas, les confédérations sont vraiment pas au rendez-vous. Et du coup, on assiste vraiment à une exploitation des travailleurs de plus en plus accrue. C'est ça le quotidien. Et il me semble que j'ai fait le tour sur ce que je voulais dire. Une exploitation de plus en plus accrue, une concentration du capital, pareil, de plus en plus accrue aussi. Et merci Baptiste. Et puis là, tu viens bien de rappeler hein, la logique de concentration à travers l'exemple effectivement des porcheries. Et tu as raison de le rappeler, toutes les conséquences environnementales, puisque de toute façon, la logique capitaliste conduit aussi à cette logique exterministe, on le voit à tous les niveaux. Et il est vrai que le fameux modèle agricole breton, surproductiviste, surcapitaliste, etc., bon, eh bien, bah, c'est vous hein, qui payez la note, hein, vous trois, vous, vos familles, vos proches, tout l'ensemble des travailleurs, qui, justement, en ont ras-le-bol de cette situation et qui n'hésitent pas à se soulever. On peut penser, par exemple, aux gilets jaunes ou aux paysans, parce qu'il y a eu d'importants soulèvements hein, qui sont venus, de soulèvements populaires venus de Bretagne, notamment ceux des gilets jaunes ou des paysans. Et à l'image de ceci, eh bien, on constate qu'il y a quand même de plus en plus de travailleurs qui critiquent fortement cette UE du capital. Alors, quitte à prolonger justement ce que tu disais, Baptiste, à l'instant, parce qu'en plus, tu as évoqué à raison le mai 68 des ouvriers, des travailleurs, qui étaient très puissants également. Pourquoi, selon vous, il n'est pas possible de réorienter la construction européenne? C'est souvent l'expression qu'on entend de la part de nombreuses formations politiques. Et pourquoi un appel récent de la CGT vous paraît absolument inutile, voire dangereux, sachant que cet appel précise que le 9 juin, donc le 9 juin prochain, chaque voix compte pour les élections européennes. Pourquoi, d'après vous, tout ça vous paraît dans le fond inutile et dangereux? Donc, Baptiste, puisque tu as ouvert la brèche, je te rends la parole. Alors, j'aurais plus tendance à retenir le qualificatif dangereux qu'inutile, mais bon, on va développer déjà le qualificatif inutile. Pourquoi c'est inutile? C'est inutile parce que, pour le coup, en l'état, l'Union européenne, elle est irréformable. C'est-à-dire que, et Gilliatt l'a dit tout à l'heure, ça a été un peu aussi expliqué par Sylvain, d'une certaine manière, tout ça, c'est des compromis et des conséquences suite à des rapports de force entre États. Il y a des négociations qui sont des rapports de force, où c'est des intérêts d'État qui se confrontent et ils arrivent à un compromis sur quoi on s'accorde pour que l'intérêt de chacun soit sauvegardé. À la particularité près pour la France, c'est qu'on a particulièrement une classe dirigeante qui est vraiment pour le coup, très anti-France et qui, elle, cède sur tout. Mais pour le reste, en tout cas, on a eu des États qui ont chacun eu son petit bout de gras, en fait, hein, sur les États qui sont des paradis fiscaux, qui, eux, bah, si on veut lutter contre l'évasion fiscale, il y a le Luxembourg qui dit non, entre autres. Hein, il y aurait peut-être aussi les Pays-Bas qui sont pas mal en termes de fiscalité, qui pourraient ne pas être d'accord, etc., etc. Si on veut
comment dire, faire ceci ou cela, il y aura toujours un État qui va dire non. Et dans les règles actuelles, il y a le droit de veto. Le droit de veto qui permet à un seul État, s'il dit non, aucune modification des traités n'est possible. Et ça, c'est sur le plan inutile. Mais sur le plan dangereux, c'est que il est dans l'air du temps. On a eu, enfin, de plus en plus, il y a disons des votes qui ont été faits dans les parlements européens et dans les parlements nationaux, en tout cas en France, sur un projet d'Europe fédérale. Bon, ça a été un petit peu détaillé, etc. Et dans ce projet-là, le droit de veto serait aboli. Et c'est là qu'on se rend compte que ce qui fait que l'Union européenne est irréformable, ça devient presque une barrière, quoi. C'est-à-dire que le fait que l'Union européenne soit irréformable, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est catastrophique. Mais si on permettait de la réformer par la fin du droit de veto, ça serait que pour le pire, en fait. Que pour le pire. Et la fin du droit de veto, ça pourrait permettre, ça ne va pas permettre d'arranger, comment dire, d'aller vers le haut, d'harmoniser vers le haut, mais ça va harmoniser vers le bas. Et comment dire. Et effectivement, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'il y a tout un projet d'Europe fédérale qui est dans les tuyaux, avec une gendarmerie européenne, avec une armée européenne. Enfin, voilà. Pourquoi pas, là, il va y avoir des questions de fiscalité, etc. Mais ça ne va pas être pour taxer les riches, comme certains aiment bien dire. Ça ne va pas être pour ça. Parce que justement, l'Union européenne, c'est le produit du capitalisme. C'est-à-dire, en soi, c'est le capitalisme. L'Union européenne, c'est une partie du capitalisme. Voilà. La manière où ça nous apparaît aux yeux dans une forme donnée. Si demain ça devient social, le capitalisme, il s'en débarrasse. Hein. Vraiment, ça va pas faire long feu, en fait. Mais de toute façon, c'est irréformable et ça sera que pour le pire. Et effectivement, l'enjeu du scrutin du 9 juin n'est pas d'aller voter pour du social, voter pour ceci ou une Europe des travailleurs, une Europe sociale, une Europe ceci, une Europe cela. Ça va être surtout pour délégitimer ce machin, en fait, où si on vote bien, si on vote bien, en tout cas dans notre intérêt à nous, mais mal dans l'intérêt des capitalistes, le vote, on le piétine. C'est ce qui s'est passé en 2005. Donc inutile, mais dangereux, parce que s'il y a un sceau fédéral demain, sur quoi ils vont s'appuyer pour ce sceau fédéral comme légitimité? Sur la participation à cette élection. Et s'il y a une forte participation, ils vont dire, mais vous voyez, les gens adhèrent, en fait, à l'Union européenne. Il y a une vie démocratique dans l'Union européenne. Les peuples ont parlé, et ben maintenant on va pouvoir avancer dans ce sens-là. Donc voilà pourquoi pour moi c'est dangereux et c'est pas du tout la place d'organisation progressiste, en tout cas d'appeler à voter pour ce machin-là. Voilà. Oui, un machin, effectivement, ce fameux sceau fédéral européen dont tu parles, et qui d'ailleurs illustre parfaitement hein, le slogan qui est notamment avancé par le PRCF depuis près de 2 ans, hein, l'argent pour les serfs, pas pour la guerre. Bon, bah voilà, là on est en plein dedans. Donc, bah pareil, la même question pour Sylvain, puisque j'imagine que pour toi aussi. Faire croire que chaque voix compte pour les élections européennes, je sais pas quoi, ou qu'on peut aller vers une Europe des gens ou pas de l'argent, et pas de l'argent, je sais pas quoi. Bon, bah, je pense que tu n'y crois pas trop, toi non plus, Sylvain. Non, effectivement, j'y crois même pas du tout. Pour la bonne et unique raison, c'est que je suis né la première année des élections européennes en 1979, et déjà les candidats parlaient d'une Europe, comme disait Baptiste, plus sociale, l'Europe de la paix. C'est super. Ils nous vendent toujours du rêve, et c'est ça qui est terrible. Non, ça ne changera pas, parce que donc, comme le disait aussi justement Baptiste. Elle est irréformable. Et d'ailleurs, au passage, on vote pour un Parlement fantoche et non pour les vrais décisionnaires qui sont la Commission européenne. Ah, d'ailleurs, je vous rappelle que le 13 décembre 2023, le Parlement a voté la création d'un Conseil politique transatlantique de coopération UE-USA qui décidera de la coopération. Quels que soient les résultats des élections des deux côtés de l'Atlantique, bah, d'une politique qui continue dans
Bah, dans ce style-là. Ce qui à retenir sur ça, c'est déjà, Lénine disait déjà que l'Union européenne, hein, en parlant de fédéralisme, que l'Union européenne sera réactionnaire, capitaliste ou réactionnaire. Bon, on voit très bien, hein, quand on voit les prises de position vers les gouvernements soutenus par des nazis ou qui soutiennent des nazis, ou l'absence. Ou l'interdiction de partis communistes dans l'Est de l'Europe, on voit bien qu'on ne va pas vers le progressisme du tout. Ce qui est aussi très grave à voir et ce qui serait intéressant, et que bien sûr tous les candidats actuellement n'en parlent pas, et en plus les sociodémocrates hein, qui nous trahissent depuis bien longtemps, et pareil, Lénine l'avait très très bien démontré. Par justement en démontrant sur Kautsky à l'époque, mais on peut le voir aussi avec la France insoumise ou Manon Aubry lors de la dernière campagne, disait qu'on va changer l'Europe, et de toute façon la FI, on la change ou on la quitte. Bon, on la quitte plus, mais on n'a rien changé, mais on continue toujours avec ces mêmes choses. Ce qui montre que bah, en fait, rien ne change dans l'intérêt des travailleurs. Mais ça aussi, c'est aussi il faut aussi voir aussi que c'est le rapport de force. Le rapport de force qui n'y a plus de rapport de force parce que on n'a plus de syndicats, les confédérations, les têtes des confédérations, les têtes syndicales sont complètement soumise à la jaune CES, et hormis faire des marches dans les rues pour pouvoir essayer de défendre notre bout de gras qui ne sert plus à rien, car, bah, soit dit en passant, on n'a pas gagné une véritable lutte sociale depuis qu'on nous a imposé le traité de Lisbonne. Pas une seule. Déjà d'une part. D'autre part, il y a aussi un problème, c'est qu'on n'a plus de parti communiste de combat en France, et on voit très bien. Avec ce qui se présente actuellement, c'est lamentable. Et si on va voter, les gens sont tellement déçus de toutes ces trahisons, comme je disais tout à l'heure, que ce soit la gauche ou la droite, c'est toujours la même politique ultra-capitaliste. Et puis, vraiment, dans l'intérêt des monopoles et non des peuples et des prolétaires. Donc, les gens sont déçus, les gens n'ont plus de conscience politique, l'abandon des sections d'entreprise, du parti, mais des syndicats, justement, au fil des années et des décennies, a déconscientisé politiquement et a surtout fait perdre aussi un peu le moral et la confiance en soi au prolétariat, et donc se dirige naturellement vers des discours populistes nauséabonds, bien portés par les médias détenus hein, maintenant par qui on sait, vers des votes Rassemblement National. Donc si c'est pour aller voter, pour donner encore plus de voix justement au Front National et toute cette réaction, il n'y a vraiment encore pas d'intérêt. Surtout que, on le voit très bien, ça, rien ne change. Donc, il faut vraiment que nous puissions, malheureusement, le vote blanc n'est pas reconnu, hein, mais l'abstention n'est pas reconnue. Mais on voit qu'il n'y a vraiment aucun intérêt et que c'est irréformable, surtout les sujets. Donc, c'était déjà. Ces mots-là qu'il faille, ben, c'est sur ces motifs-là qu'il faut le dire. Je pense que là, l'urgence qu'il y a à l'heure actuelle, c'est justement face à l'Europe, on pourra pas continuer tant qu'on justement la classe ouvrière, la classe travailleuse, la classe laborieuse n'arrivera pas à se réorganiser pour refaire un vrai rapport de force. Hein, les gens sont comme les pays, les gens sont devenus endettés. C'est aussi ça la différence entre 68, c'est que les gens maintenant sont endettés à hauteur de 30 ans pour acheter une maison, donc ils ne peuvent plus aussi se mobiliser. Et puis l'Europe, le capitalisme et le courant libéral qui est porté en France depuis les années 70 apporte aussi. Une individualisation, et on n'a plus la solidarité collective que nos parents et grands-parents avaient justement dans les années des grandes luttes et des grandes victoires ouvrières. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui manque cruellement à l'heure actuelle. Donc,
aller voter pour un Parlement qui ne sert à rien, juste justifier peut-être, ben, sûrement, hein, parce que ces gens-là ne pensent pas comme nous, mais pouvoir faire un saut fédéral encore plus dévastateur pour les classes laborieuses, il n'y a vraiment aucun intérêt, quoi. Oui, bah écoute, là, je crois que c'est très clair. C'est très clair et il y a de grandes chances, merci Sylvain, il y a de grandes chances que ce soit également confirmé par Gilliatt, d'autant plus que Sylvain a signalé le rôle de la Confédération européenne des syndicats. Ça fait désormais plus de 50 ans, en hein, 1973, qu'elle a été instaurée. En effet, on se demande bien à quoi elle sert, et encore plus maintenant, étant donné que, rappelons-le, qu'elle est dirigée par un certain Laurent Berger, ancien secrétaire général de la CFDT. Gilliatt, ton avis sur ce utilité ou non, dangerosité surtout du scrutin? Bah, moi, c'est mes revenus, de tout ce qu'ont dit les camarades, mes revenus, la citation très connue, peut-être qu'elle est très connue par certains, mais bon, elle est peut-être pas très connue par tous, ou alors elle est cachée par certains, hein, peut-être d'ailleurs, hein, d'Alain Madelin, qui parlait en 1992 du traité de Maastricht, c'est-à-dire l'Union européenne, hein, tout simplement. Comme une assurance vie, pardon, contre le retour à une expérience socialiste pure et dure. Il faut notifier quand même que l'expérience socialiste pure et dure en l'État, c'était pas la Commune de Paris et encore moins l'URSS. C'était les 2 années 80, enfin 3 années 80, 82, 83, du grand socialiste François Mitterrand. Voilà ce qu'était l'expérience socialiste pure et dure à laquelle devait justement devait contrecarrer. L'Union européenne, quoi. Enfin, le retour en tout cas à cette expérience-là. Donc, on voit qu'il y a quand même déjà, dès dans l'essence même de la construction de l'Union européenne, de ce saut qualitatif qu'elle a fait avec le traité de Maastricht, il y a déjà quelque chose qui devrait nous mettre à tous, comment dirais-je, militants, progressistes, ouvriers, républicains, démocrates, antifascistes, devrait nous mettre la puce à l'oreille tout de même depuis longtemps. Bon, les camarades ont déjà dit tellement de choses. L'Union européenne, elle est verrouillée. Je ne vais pas re-rentrer dans les détails. Elle est verrouillée, on le dit depuis le début, pour être un marché unique, capitaliste et supranational. Voilà, elle est verrouillée. Elle est verrouillée par des traités, comme je l'ai dit là, qui doivent agir comme une assurance vie contre les expériences socialistes en général, du coup, que ce soit qu'elles soient rosâtres comme celle de Mitterrand pendant 2 ans. Ou qu'elle soit justement beaucoup plus rouge. Bon, ce sont ces traités qui fondent l'Union européenne, le traité de Maastricht, et puis tous ceux qui ont suivi derrière, qui ont été rappelés jusqu'à Lisbonne et jusqu'à encore il y a peu. C'est ces traités-là qui fondent, qui ne permettent pas d'appliquer la moindre politique progressiste. Il faut vraiment insister là-dessus, ils ne permettent pas d'appliquer la moindre politique progressiste. On peut éventuellement, pourquoi pas, juger que l'harmonisation au niveau de l'Union européenne des chargeurs USB-C, c'est une politique progressiste de haut niveau. Pourquoi pas? Mais bon, je crois que ça pèse pas lourd quand on met dans la balance sur la délocalisation, la désindustrialisation, les emplois, la perte de salaire, les emplois perdus, le chômage qui grimpe, etc., etc. Bon. Sur la question. La question de l'appel dont tu as parlé là, de la CGT, bon, bah, ça ne va pas être une surprise, je suis quelque peu mitigé, c'est peu de le dire. Hein. Depuis tout à l'heure, on définit un machin, pour reprendre cette expression, qui est irréformable. On a parlé, par rapport à ce machin, d'exploitation capitaliste, on a parlé d'exploitation donc capitaliste des travailleurs et de la terre, des dégâts et de la destruction environnementale que toute cette logique cause. On a parlé d'inflation galopante, de marche à l'économie de guerre, sans compter, on l'a peut-être pas assez évoqué, mais sans compter le fond de plus en plus fascisant, parce que la réponse justement, la réponse instinctive d'un certain nombre de secteurs de travailleurs, d'ouvriers. On a parlé des gilets jaunes, hein, c'était beaucoup d'ouvriers, d'artisans et de commerçants, petits artisans et commerçants, les paysans récemment, et ou d'ailleurs les nombreuses grèves qu'il y a tous les jours.
Tous les jours, il y a des grèves dans des usines, dans des entreprises en France et des grèves ouvrières. Ça, on a une vie de lutte en France qui est là, mais qui n'est pas coordonnée. Pas assez coordonnée ou pas coordonnée dans le bon sens. Bon, tout ça, c'est là. Il y a un instinct en France, en tout cas, je dirais, de classe, et réflexes de classe qui, malheureusement, ne sont pas assez organisés pour déboucher sur quelque chose d'autre, pour rester dans des termes convenus. Où est-ce que je voulais en venir? Bon, je sais plus, j'ai perdu mon fil, excuse-moi, Fadi. Bon, en tous les cas, il y a une réponse, voilà, y a une réponse d'un certain nombre de secteurs du monde du travail qui est, comme tu l'as dit au début, voilà, les paysans, etc., qui est importante, qui est de plus en plus régulière, en plus. C'est ça qu'on constate, c'est que avec ce fond de grève qui est toujours là, on a des crises nationales qui sont de plus en plus régulières et qui sont issues globalement du monde du travail. Bon, donc on voit bien cette réponse-là, voilà où je voulais en venir, excuse-moi, j'ai retrouvé, cette réponse qu'apportent les peuples en général, en l'occurrence le peuple de France, à toute cette exploitation, bah, cette réponse-là reçoit une contre-réponse. Nous recevons tous une contre-réponse. Cette contre-réponse, c'est celle de la fascisation. Un gouvernement face à tout cela, avec en arrière-plan l'Union européenne, qui organise, qui coordonne et qui impulse par ses politiques une montée de plus en plus fulgurante, ou en tout cas une mise en avant. Il faudra faire attention quand même au nombre d'électeurs en général des partis d'extrême droite. Mais en tout cas, une mise en avant forcée et une montée en puissance des partis d'extrême droite, des partis voire carrément fascistes ou nostalgiques assumés, soit de Mussolini, d'Hitler et compagnie, et une montée en puissance des mesures nationales, gouvernementales, de plus en plus fascisantes, là aussi, comment dirais-je, des mesures judiciaires. Aller chercher des syndicalistes à 6 h du matin pour des déclarations au sujet de la Palestine, comme notre camarade Delescot de la CGT et de l'Union départementale du Nord, CGT du Nord. Il y a une répression qui est comme ça de plus en plus grande et on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, évidemment, mais un arsenal juridique gouvernemental. Qui est de répression qui est de plus en plus développée et bien plus qu'on ne peut évidemment l'imaginer. Bon, donc voilà, on a parlé de tout ça, de cette fascisation, de l'exploitation capitalisée des travailleurs, de la destruction de l'environnement, l'irréformabilité de l'Union européenne, la marche à l'économie de guerre, tout ça va bien ensemble. Et on a cet appel de la CGT, comme d'autres, qui rejoint d'autres, cette espèce d'union sacrée d'appel au vote. Et on nous demande de légitimer tout ça. Voilà ce qu'on nous demande par notre vote. Baptiste l'a très bien dit. C'est là-dessus qu'on va ce 9 juin, comme d'ailleurs, par ailleurs, les autres élections européennes. Mais là, encore plus, légitimer ou pas, allez voter qui vous voulez, mais allez voter pour légitimer l'Union européenne. Sur tout ça, Baptiste l'a aussi évoqué, je crois, et Sylvain également, le sceau fédéral européen qui va venir s'appuyer, se légitimer sur. Une participation, entre autres choses, une participation la plus grande possible à ces élections européistes, même, disons-le. Alors que, donc, sauf fédéral, comme l'a dit Baptiste aussi, pour passer par-dessus les États, pour passer par-dessus la souveraineté nationale, la souveraineté populaire et nationale des peuples. Alors que, et c'est d'autant plus surprenant, pour ne pas dire autre chose, de la part de la CGT, alors que. Tout ce que nous avons gagné, tout ce que les travailleurs, les peuples ont gagné en termes de conquête sociale, démocratique et nationale depuis des décennies, est adossé justement à la nation. Les conventions collectives nationales, la sécurité sociale nationale, les statuts nationaux de la fonction publique, on a parlé de la SNCF, de DF, GDF, enfin, ça sonne plus à personne ces choses-là, on dirait en tout cas. En tout cas, à la tête de la Confédération CGT, malheureusement, on a l'impression, en tout cas. Bon, donc, est-ce que par notre vote, est-ce qu'on doit soutenir toutes ces destructions sociales? Par ailleurs, un petit mot quand même.
peut pas y échapper. Je parlais de conquête aussi démocratique. La souveraineté, le vote, la souveraineté populaire, je dirais, elle est imparfaite, évidemment, en France. Elle est censée être garantie et censée, comment c'est dans la Constitution, dans les déclarations des droits de l'homme, je n'ai plus exactement la phrase, elle est censée en tout cas être garantie par la nation, quoi. Je n'ai plus le mot exact. Bon, si vous me le retrouvez, n'hésitez pas. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Voilà, merci beaucoup Fadi, exactement mot pour mot. Bon, c'est une conquête démocratique. Donc, un petit mot quand même. Justifier d'aller voter le 9 juin parce qu'il faut absolument voter, parce que nos anciens, nos aïeux ont conquis le droit démocratique du vote, c'est se mettre le doigt dans l'œil pour ne dire que ça, parce que là, on nous demande de voter pour un machin, encore une fois, qui est absolument supranational et qui a pour projet d'écraser la souveraineté nationale. Donc, on ne peut pas légitimer ce vote, on ne peut pas argumenter d'aller voter le 9 juin au seul prétexte que nos anciens se sont battus pour le droit de vote. Et par ailleurs, un dernier petit mot à ce sujet, le droit de vote, c'est aussi le droit de non-vote. Bon. Bref, donc est-ce qu'on doit soutenir toutes ces destructions sociales, démocratiques et nationales? Bah, moi personnellement, je ne crois pas. Tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure est absolument révélateur de ce qu'est l'Union européenne et l'OTAN dans leur essence, dans leur construction. Est-ce qu'il faut soutenir ces institutions par notre vote? Est-ce qu'il faut soutenir leur projet de saut fédéral européen? Autrement dit, par d'autres mots, de souveraineté européenne. Attention là aussi à ce terme. Je crois qu'il ne faut pas soutenir ça. Les paysans, les gilets jaunes, t'en as parlé, les travailleurs d'un certain nombre qui se mettent, un certain nombre de travailleurs qui se mettent en grève, etc., qui sont de plus en plus nombreux à cibler l'Union européenne. Un certain nombre de travailleurs comme nous, par ailleurs, vont s'abstenir, vont faire le choix, et le bon choix, à mon avis, de s'abstenir. De s'abstenir le 9 juin pour ne pas légitimer toute cette casse sociale, toute cette casse démocratique et nationale. Et je crois que pour terminer, que l'ensemble des travailleurs de France, je crois que l'ensemble des syndicalistes qui ont à cœur de défendre tous les jours, pied à pied, contre l'exploitation patronale et capitaliste, un certain nombre de collègues. De collègues, enfin de travailleurs, de salariés en général en France, je crois que il serait bienvenu qu'ils rejoignent cet appel à s'abstenir et au boycott, c'est-à-dire l'appel du PRCF au boycott du 9 juin et du scrutin européiste. Merci Gilliatt, et nous les invitons d'ailleurs aussi à se procurer le manifeste hein, que produit le PRCF hein, à propos de ce boycott, hein, brisons les chaînes de l'Union européenne, le 9 juin, boycott citoyen, puisqu'en effet, vous l'avez très bien dit, hein, dans différents domaines des bases productives du pays, et puis au-delà de la vie de tous les jours, hein, des chiffres ont été donnés, des exemples très précis, on voit très bien qu'effectivement, soi-disant l'Union européenne qui va vous apporter le bonheur, la prospérité ou que sait-on encore, eh bien, on l'attend tout le temps. Et d'ailleurs, on n'est pas près de l'avoir parce que le principe, c'est que ce n'est pas possible. Faut-il le rappeler? Merci beaucoup à vous trois, Sylvain, Baptiste, Gilliatt, pour avoir pris de votre temps pour argumenter clairement à ce sujet. Et donc, nous nous retrouverons pour une prochaine vidéo avec d'autres invités qui aborderont, même si ça a été un petit peu dit en filigrane, mais nous y reviendrons plus longuement, la question des services publics et d'un certain nombre de droits sociaux qui, eux aussi, eh bien, sont littéralement démantelés par l'axe UE-OTAN, la construction européenne. Et bien entendu, tout ceci demande à être légitimé, comme vous l'avez très bien dit, par le prochain scrutin européiste du 9 juin prochain. Merci beaucoup les camarades, bon courage pour Merci à la toi. suite et bien entendu, n'hésitez pas à relayer cet entretien avant de faire le bon choix pour le 9 juin prochain, c'est-à-dire le boycott citoyen. Le combat continue les camarades. Merci Fadi, à plus tard. Merci à tous. Salut à tous. Y'en a marre de votre Europe qui détruit la démocratie, qui écrase les patriotes, qui ne roulent que pour le profit.
Mais en mai 2005, le peuple a dit non à votre union, à vos traités. Pour les peuples souverains affranchis de l'austérité. Brisons les chaînes de l'OTAN, du capital et de l'Union européenne. Brisons les chaînes de l'OTAN, du capital et de l'Union européenne. Toutes nos luttes pour nos salaires, pour sauver notre industrie, nos paysans et nos retraites se heurtent à l'euro mépris. Mais en juin, l'heure est venue de boycotter leur scrutin perfide. On ne veut plus en vain voter, on veut une autre société. Brisons les chaînes de l'OTAN, du capital et de l'Union européenne. Brisons les chaînes de l'OTAN, du capital et de l'Union européenne. Ce n'est pas l'Europe de la paix, elle marche contre la Russie. Elle laisse l'OTAN manœuvrer, elle est aux bottes des États-Unis. Mais les peuples veulent coopérer, non pas subir un nouvel empire. La guerre en marche dans toute contrée, l'UE autant nous mène au pire. Brisons les chaînes de l'OTAN, du capital et de l'Union européenne. Brisons les chaînes de l'OTAN, du capital et de l'Union européenne. C'est une Europe cléricale taillée pour le Vatican. La brune internationale des gouvernements fascisants. Elle met à bas les lumières, c'est la Sainte Alliance réactionnaire. Peuple libre et solidaire, faisons face aux tortionnaires. Brisons les chaînes de l'OTAN, du capital et de l'Union européenne. Brisons les chaînes de l'OTAN, du capital et de l'Union européenne. Virons la mondialisation et refaisons l'international. Des peuples libres et des nations solidaires pour la paix mondiale. L'aude à la joie n'appartient pas aux rois Tolée, Macron ou Frau Ursula. Chantons les peuples solidaires à l'échelle de toute la terre. Brisons les chaînes de l'OTAN, du capital et de l'Union européenne. Brisons les chaînes à l'échelle du monde entier. Reconstruisons une terre humaine.